Lots change and it's time for the connector to evolve. And that's just what we've done. Le 21 septembre 2012, Apple sort l'iPhone 5 avec une nouvelle particularité, le port de charge qui est nouveau. En effet, depuis 2007, depuis l'iPhone 2G, on avait le câble 30 branches, donc du coup c'était un câble assez gros, fragile et surtout qu'il n'était pas réversible. Là, en 2012, Apple sort le Lightning, plus petit, plus fin et surtout réversible et surtout très pratique à utiliser. Est-ce qu'en 2020, Apple se mettra à l'USB-C ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo, on va parler de l'USB-C sur les prochains smartphones. Je vais me baser sur des rumeurs que j'ai vues sur internet ou quoi, et aussi de mon avis et ce que je pense qui se passera dans les prochaines années. Donc déjà, l'USB-C c'est quoi? C'est un câble un peu comme le Lightning, un petit peu plus gros, mais qui permet de faire pas mal de choses, utiliser, ça remplace l'HDMI, ça remplace la charge, le transfert de données plus rapide, il est réversible comme le Lightning, mais Apple n'utilise pas l'USB-C. Sur les MacBook Pro, on a de l'USB-C, sur l'iPad Pro, de l'USB-C et sur les iPhone 11 Pro, du Lightning. C'est ce qui a été beaucoup reproché à l'iPhone 11 Pro et je vais vous dire pourquoi je ne pense pas qu'Apple se passera à l'USB-C cette année, ni l'année prochaine, ni dans 3 ans, ni dans 4 ans, etc., etc. Tout d'abord, on va parler de la recharge sans fil. Apple a voulu sortir AirPower il y a bientôt de cela un an, mais l'a abandonné le projet car c'était trop compliqué à faire. D'après les rumeurs, Apple travaillerait sur un AirPower 2 plus petit, pour deux appareils maximum et qui rechargerait très rapidement. Alors ce ne sont que des rumeurs, mais on va partir du principe que cela va sortir. Donc du coup, déjà, si Apple retire le port de charge, parce que oui, s'ils ne mettent pas du USB-C, ce n'est pas pour conserver le Lightning, mais pour enlever le port de charge. Donc du coup, il se baserait sur le sans fil, sur les transferts de données sans fil comme AirDrop et iCloud. Donc du coup, déjà, on peut voir que la recharge sans fil, c'est quand même très facile à utiliser. On pose le smartphone, il charge. Et de deux, aucun intérêt sur un smartphone, surtout en 2020. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chargeurs sans fil disponibles sur Amazon ou quoi, pour même pas 30€, et ils font le taf. Et en des AirPods Pro depuis pas longtemps, j'ai maintenant le boîtier de recharge sans fil. Sur les AirPods 1, je n'avais pas le boîtier sans fil, et je pensais que ça servait à rien. Et je me suis trompé car maintenant j'utilise beaucoup la recharge sans fil sur les AirPods et aussi sur l'iPhone parce qu'avec mon SE que j'avais avant je ne pouvais pas utiliser la recharge sans fil parce que ce n'était pas compatible. Là maintenant j'arrive, rentre du lycée et tout ça, je pose mes AirPods sur le bureau et ils chargent. Enfin sur le boîtier qui est sur le bureau. Mes AirPods je charge plus souvent, je charge tous les jours, du coup je tombe jamais en panne de batterie. Avant avec mes AirPods 1, je devais les charger avec le câble et ça m'énervait de prendre le câble exprès. Du coup j'ai chargé environ une fois par semaine et des fois j'avais plus de batterie donc du coup bah j'étais très très limite. Là avec un charge sans fil tellement c'est simple, on n'a pas à comprendre comment faire, on le pose et ça charge. C'est aussi pour ça que je pense qu'Apple fera ça prochainement. Ils aiment tout ce qui est simple et ça honnêtement c'est très très simple. Ensuite pour tout ce qui est transfert de données, vous allez me dire que sans câble on ne peut pas transférer de fichiers d'un Windows ou d'un iPhone ou inversement. Il y a une méthode de cela qui est iCloud. En effet iCloud a été mis à jour le 5 février pour tout ce qui est optimisation sur Android ou quoi. Pour que ce soit plus facile. Donc du coup, ça nous donne des petits indices que potentiellement, il pourrait peut-être enlever le port de charge sur les prochains iPhones. Et ensuite, pour tout ce qui est Mac ou quoi, il y a AirDrop. AirDrop, c'est quand même très rapide. On a une photo, on clique dessus, on fait partager et en un seul clic, on envoie la photo à un ami ou à notre Mac ou à l'iPad. Avec l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, Apple a sorti une nouvelle puce qui est dans cet iPhone qui permet tout simplement de savoir si un iPhone est près de l'iPhone ou pas. Imaginons, vous voulez envoyer une photo à l'iPhone 11 Pro avec votre iPhone 11. Et bah tout simplement, vous allez orienter l'iPhone 11 vers l'iPhone 11 Pro et il va détecter automatiquement qu'un iPhone 11 Pro est près de lui. Il va vous proposer en très gros, en principal, l'iPhone 11 Pro. Donc du coup, imaginons que l'iPhone 11 Pro appartient à un mec qui s'appelle Luc. Et bah il marquera iPhone de Luc en premier car il détecte qu'il y a un iPhone très près de lui. Et bah ça nous montre aussi des indices. Mis à part de retrouver des objets grâce à ça ou AirTag, que nous montre la possibilité de pouvoir envoyer des fichiers rapidement et plus facilement. Ensuite, je ne vois pas pourquoi on aurait un port sur les iPhones en 2020, car tout simplement la batterie est petite, donc du coup avec charge sans fil, on peut facilement charger rapidement la batterie. Pas besoin de mettre 3 heures ou quoi. Alors, moi personnellement, je crois qu'en 2h30 ça charge. C'est beaucoup plus long, mais avec les technologies, on peut faire plus rapide. Certes, on n'aura pas la recharge sans fil comme on a qui charge la batterie du smartphone en une demi-heure, mais vous n'allez pas me dire que vous avez besoin de charger votre smartphone en 30 minutes. Moi, personnellement, avec mon iPhone 11 Pro, je tiens la journée et du coup, je charge que la nuit. Et la nuit, j'utilise pas, il charge tout seul. Et bah, quand je l'ai le matin, bah, il est à 100%. Donc, du coup, je pense que ça, c'est juste une sorte d'habitude.
Apple sait changer les habitudes. Regardez avec le lecteur CD ou même un truc très récent, le port jack en 2016 qui a été retiré avec l'iPhone 7. Tout le monde a crié au scandale comme quoi c'était nul, que personne en pourra pas changer ou quoi. Et bah regardez autour de vous, tout le monde a des écouteurs sans fil, que ce soit des AirPods de chez Apple, des AirPods Wish ou quoi. Tout le monde a des écouteurs sans fil. Et maintenant, tous les constructeurs enlèvent le port jack, comme par exemple Samsung qui enlève le port jack depuis le Note 10. Et je pense que quand Apple enlèvera le port de charge, peut-être cette année ou l'année prochaine, tous les constructeurs feront de même. Et du coup, on aura des smartphones plus fins, plus épurés. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur internet que, d'après certaines rumeurs, Apple retirerait les prises secteurs dans la boîte d'iPhone pour des raisons environnementales. Parce que personnellement, pour ceux qui achètent des smartphones une fois par an, ils se retrouvent avec énormément de chargeurs et du coup, en les enlevant, ça pourrait avoir un impact positif pour l'environnement. Et du coup, peut-être qu'on n'aurait qu'un câble USB-C vers USB-C. Et donc, du coup, on aurait juste à acheter un petit socle sans fil qu'on trouverait chez Apple au lieu d'acheter le secteur. Donc, vous allez me dire qu'encore, on va encore devoir dépenser de l'argent dans un truc qui sert à rien ou quoi. Les AirPods, ils ne sont pas inclus dans la boîte de l'iPhone, mais pourtant, pour 179€, tout le monde en a. Donc c'est pour cela que je pense qu'il n'y aura pas d'USB-C sur les prochains iPhones, qu'il n'y aura plus de port de charge. Et je pense que dans 3, 4, 5 ans, il n'y aura plus de port de charge sur tous les smartphones, comme pour aujourd'hui avec la prise jack. Alors peut-être que je me trompe, hein, on ne sait pas, mais je pense que ça sera le cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le nouveau format vous aura plu. Voilà, je tente des nouveaux formats, dites-moi si ça vous plaît. La miniature a été faite par Damien, donc un pote à moi, donc je mettrai sa chaîne en description. Voilà, donc vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Instagram. Voilà, donc je suis vraiment très actif dessus, je fais des stories assez souvent sur tout ce qui est technologie. Pareil sur Twitter, je parle beaucoup de ça ou quoi. Voilà, donc je cherche un peu des nouveaux formats vidéo, des nouveaux thèmes à faire ou quoi. Et du coup, voilà, bah voilà, vous me dites si ça vous plaît ou pas. Vous pouvez vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir et ça vous donnerait énormément. Et du coup, on vous dit du coup à la prochaine vidéo. Allez, ciao!